Oh,
lecture qu'on a déjà faite la semaine dernière. C'est les mêmes versets, en fait c'est la suite de la prédication de la semaine dernière. Le titre est différent, mais c'est la même, c'est les mêmes versets, c'est la suite. Pour ceux qui ont leur Bible, dans Ésaïe chapitre 6, versets 1 jusqu'à 8. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez à quoi reconnaissaient les chrétiens dans le temps quand ils allaient à l'église? Et quand ils étaient dehors, ils avaient toujours leur Bible sous le bras. Amen. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 8. On va se lever pour lire la parole du Seigneur. Les enfants sont difficiles aujourd'hui. Amen. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les portes de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur, la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, ta parole est le chemin, la vérité pour nous, Seigneur. Parole est notre chemin, Seigneur, notre lumière. Et nous voulons, Seigneur, nous conformer à ta parole. Nous voulons méditer ta parole. Nous voulons, Seigneur, qu'elle puisse nous instruire, Seigneur Jésus, et nous fortifier avec ta parole, Seigneur, et qu'elle puisse nous aider à grandir pour mieux te connaître, Seigneur, et mieux accomplir ta volonté dans chacune de nos vies. Par ton esprit, Seigneur, ce matin, tu ouvres nos cœurs, afin que ta parole, Seigneur, puisse pénétrer et qu'elle puisse produire du fruit, et du fruit en abondance, selon ta volonté, Seigneur. C'est écrit dans ta parole. Ta parole doit porter du fruit en nous et du fruit en abondance. Et c'est notre désir ce matin, Seigneur, que ta parole vienne, qu'elle germe, qu'elle grandisse et qu'elle porte du fruit. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Amen. Alléluia. On va un peu détailler ces versets qu'on a lus ce matin. Il y a plusieurs étapes distinctes dans ces versets, dans ce récit qu'Ésaïe nous fait de ce qu'il a vécu. La première étape, c'est Ésaïe voit le Seigneur assis sur un trône. Il voit la gloire du Seigneur. Le titre de la prédication ce matin, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Ésaïe voit le Seigneur assis sur son trône. Il voit la gloire de Dieu. Je voudrais qu'on puisse mettre ça dans notre esprit ce matin, ce que Ésaïe est en train de voir. Il voit la gloire de Dieu. Quelque chose qui, selon l'enseignement biblique, n'est pas permis à un homme de voir. La Bible dit, tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Ésaïe est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Il voit le Seigneur assis sur son trône. Il voit la gloire de Dieu. Ensuite, il nous dit qu'il entend les séraphins et il entend les louanges. Les séraphins, ils sont en train de louer celui qui est assis sur ce trône. Et cette louange produit un tremblement dans les fondements. Les fondements dans le ciel sont ébranlés à cause des louanges. Ensuite, Ésaïe réalise qui il est. Un pécheur qui n'a pas accès dans la présence du Dieu de gloire. Il dit, malheur à moi, je suis un pécheur, je suis qu'un pauvre pécheur. Et mes yeux ont vu le roi, il est en train de réaliser qu'il va mourir. Parce qu'il ne peut pas y avoir de contact entre celui qui est assis sur le trône, le Dieu de gloire, et le péché.
Ensuite, les versets qu'on a lus, un des séraphins prend une pierre en feu sur l'autel de feu. Vous savez, cet autel de purification. Il vient, il touche la bouche du prophète et il dit ceci, t'as touché, tes péchés sont pardonnés, ton iniquité est expiée. Il reçoit le pardon, ce qui lui permet de rester, de continuer de rester dans la présence du Seigneur et de continuer de voir la gloire de Dieu. Il faut que ce péché soit expié, effacé. Ensuite, Esaïe entend quand ce Dieu de gloire parle aux séraphins qui sont autour de lui et il dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et la dernière étape du récit d'Esaïe, il a entendu cet appel et avec humilité, il s'adresse à celui qui est assis sur le trône, au Dieu de gloire, et dit, me voici, envoie-moi. Esaïe est capable de donner cette réponse à cause de ce qu'il vient de vivre. Probablement dimanche, on va s'étaler un peu plus profondeur sur cette réponse, me voici, envoie-moi. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse vraiment se focaliser sur le fait que Esaïe dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Esaïe a vu la gloire du Seigneur. Il a une vision, une révélation de la gloire du Seigneur. C'est ce qui se passe dans le récit que Esaïe nous raconte. Il a une vision, une révélation de la gloire du Seigneur. Ensuite, il y a toute cette vision et ensuite, il y a la réponse à cet appel. Me voici, envoie-moi. Je vais faire une petite parenthèse qui va concerner la prédication pour la semaine prochaine, mais qu'il est important que nous puissions déjà mettre en mémoire. Il est important de se souvenir que dans les versets des chapitres qui vont suivre, si vous ne connaissez pas le livre d'Esaïe, allez, à partir du chapitre 6, 7, 8, allez voir comment les choses se passent. Le Seigneur explique à Esaïe ce qu'il devra faire, comment il devra le faire. Tout sera conduit et contrôlé par Dieu. Jamais le prophète Esaïe ne va agir de sa propre initiative ni selon ses propres pensées. Toujours, il agira conformément à la parole et aux ordres du Seigneur. Et ça, c'est le fruit du fait de ce qu'il vient de voir, du fait qu'il vient de voir la gloire de Dieu, qu'il a réalisé, qu'il a vu quelque chose qui n'est pas permis à un homme de voir et qu'il est quand même resté vivant et que le Seigneur lui a pardonné, que le Seigneur l'a purifié et à cause de ça, il répond à l'appel. Et il va conformer toute sa vie à tout ce que Dieu va lui demander sans rien ajouter de personnel. Amen. Lorsque l'Éternel appelle Moïse dans le désert, il se passe quelque chose de surnaturel. Un buisson en feu qui ne se consume pas. On ne va pas s'étendre sur les détails ce matin, vous connaissez tous cette histoire. Un buisson en feu qui ne se consume pas. Ensuite, le Seigneur envoie Moïse vers Pharaon. Et il y a toutes ces 10 plaies qui se succèdent pour que enfin Pharaon laisse aller le peuple d'Israël. Et ça, c'est l'aboutissement de ces 10 plaies, la libération du peuple d'Israël. Puis il y a, quand ce peuple est sorti, l'ouverture de la mer Rouge, où le peuple passe, et où la mer se referme sur ses poursuivants, et ils sont tous morts, et le peuple est libre. Des choses extraordinaires. Puis Moïse monte sur la montagne, pendant 40 jours et 40 nuits. Et pendant 40 jours et 40 nuits, Moïse est dans la présence du Seigneur, il entend la voix du Seigneur et il reçoit les 10 commandements et tous les ordres qu'il va devoir donner et partager avec le peuple d'Israël. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et je vais passer tous les détails. Et puis il y a la tente d'assignation, le tabernacle qui est construit. Cet endroit où, jour après jour, Moïse va rencontrer le Seigneur. La Bible nous dit que quand Moïse arrive et quand il entre dans la présence du Seigneur, la colonne de nuée vient se placer au-dessus de Moïse. La colonne de nuée symbolise la présence de Dieu.
Et la colonne vient se placer au-dessus de l'endroit où est Moïse. Et on pourrait dire, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est merveilleux, c'est surnaturel, c'est waouh. Et vous savez quoi? Moïse n'est pas satisfait avec ça. Il n'est pas satisfait. Dans Exode, chapitre 33, 7, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Moïse vient de vivre des choses extraordinaires. Il a déjà, à sa naissance, vécu quelque chose d'extraordinaire. Il est sauvé des eaux. Il était voué à mourir parce que tous les enfants mâles devaient mourir. Moïse a été sauvé d'une manière miraculeuse. Et toute sa vie est une succession de miracles jusqu'à ce jour où il emmène ce peuple en dehors du désert. Et il y a des choses, continuellement des choses extraordinaires qui se passent. Mais Moïse n'est pas satisfait avec ça. Et il vient dans la présence du Seigneur et il dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse a besoin d'une vision, d'une révélation de la gloire de l'Éternel. Vous savez, parfois nous pensons que la gloire de l'Éternel, c'est voir des miracles. Nous pensons que la gloire de l'Éternel, c'est voir une église qui est là au feu, qui exalte le Seigneur, qui danse, qui chante. Oui, mais si Seigneur, le Seigneur répand sa gloire. Moïse veut voir autre chose que ça. Il veut voir la gloire. Ce qui n'est pas permis à un homme de vivre, mais ce qui va changer sa vie. Fais-moi voir ta gloire. Dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean nous raconte quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'il fut ravi en esprit au jour du Seigneur, donc probablement pour lui c'était un samedi, pour nous c'est un dimanche. Et il dit, j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. Ensuite, il dit, je me retournais pour connaître, c'était la méditation pour cette semaine, pour ceux qui ont suivi, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers. Au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Et à cause de ce qu'il voit, Jean dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Jean vient de voir la gloire du Seigneur. Et il nous raconte certains détails de ce qu'il vient de voir. Et à cause de ça, il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et il se passe quelque chose exactement comme pour Esaïe. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains pas. Amen. Alléluia. Comme pour Esaïe, un séraphin a été chercher une pierre ardente, là où brûle le pardon, là où brûle l'autel de sacrifice, il a touché la bouche d'Esaïe et il a purifié. De la même façon, pour Jean, il posa sa main droite sur moi et dit, ne crains pas, je suis le premier, le dernier, le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jean vient d'avoir une vision, une révélation. Utilisez le mot comme vous voulez. Soit vous utilisez une révélation, soit vous utilisez une vision. Ça revient à la même chose, si vous avez compris la pensée de la prédication de ce matin. Jean vient d'avoir une vision, une révélation de la gloire du Seigneur. Quand Jésus était sur la terre, pendant 3 ans et demi, Jean a marché à côté de Jésus, jour après jour. Un jour où Jésus est monté sur la montagne avec Pierre et Jacques et Jésus, ils ont vu la gloire du Seigneur, ils ont vu Jésus transfiguré. Et Jean est maintenant en prison à cause de l'évangile. Et Jean vient de voir la gloire du Seigneur. Il a une vision, il a une révélation. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.
Le récit de la Pentecôte nous indique que dans la chambre haute, il y avait environ 120 personnes. Et si je vous dis ça ce matin, c'est pour arriver à cette pensée que je veux mettre dans votre cœur, c'est qu'il y a un appel sur ta vie, il y a un appel sur chacune de nos vies, peu importe qui nous sommes, peu importe l'âge que nous avons, il y a un appel sur chacune de nos vies. Et pour que nous puissions accomplir cet appel, me voici, envoie-moi, ça va concerner dimanche prochain, pour que nous puissions accomplir cet appel, nous avons besoin de voir la gloire du Seigneur. Amen. Donc je reviens, le jour de la Pentecôte, il y avait plus ou moins 120 personnes dans cette chambre haute. Beaucoup pensent que l'appel de Jésus pour aller proclamer l'évangile se limite aux 11 disciples. Je dis 11 parce que Judas est mort, Judas s'est suicidé. Il en reste 11. Et beaucoup pensent que quand Jésus donne cet ordre à ses disciples d'aller et de proclamer la bonne nouvelle à travers le monde, ils pensent que c'est simplement pour ses 11. Non, non, non. Dans cette chambre haute, ils étaient 120 et tous des disciples. Ils ont tous reçu l'appel. Et c'est important que nous puissions comprendre ça. L'appel de Dieu pour devenir des prédicateurs de l'évangile, j'allais dire des témoigneurs, c'est pas français, mais pour témoigner de ce que le Seigneur a fait pour nous, pour apporter le Seigneur Jésus-Christ à ce monde qui se perd, cet appel n'est pas seulement destiné à quelques-uns qui pourraient être, comme on le pense, une élite. Cet appel nous concerne chacun de nous ce matin. Amen. Qui que tu sois, il y a un appel particulier sur ta vie. Et pour pouvoir accomplir cet appel particulier sur ta vie, tu as besoin de voir la gloire de Dieu. La repentance, c'est bien. C'est le plan de Dieu pour le salut. Le baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés, c'est bien. C'est le plan de Dieu pour le salut. Recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est bien. C'est le plan de Dieu pour le salut. Amen. Mais après, il y a un appel sur ta vie pour obéir au commandement du Seigneur. Allez et faites des disciples. Allez proclamer la bonne nouvelle. Partagez le salut autour de vous. Et pour que tu arrives à faire ça, tu as besoin de voir la gloire du Seigneur. Tu as besoin d'une vision, d'une révélation personnel. Amen. Personnel. Amen. Amen. Quand mon père s'est converti, ma mère s'est convertie juste avant lui. Certains vous connaissez ce témoignage. Mon père c'était un alcoolique, un ivrogne, il fumait 4 paquets de cigarettes par jour. Il avait, excusez-moi, mais il avait sa maîtresse à la maison. Et puis du jour au lendemain, quand il a donné sa vie au Seigneur, tout ça c'était terminé. Et vous savez quoi? Tout ça, ça n'a rien changé dans ma vie. Pas parce que mon père a accepté Jésus dans son cœur, c'est pas parce qu'il a été baptisé du Saint-Esprit que ça a changé ma vie. La seule chose que ça a changé, c'est qu'à la maison, maintenant, il y avait la paix. Mais dans mon cœur, dans mon âme, par rapport à ma vie spirituelle, ça n'a rien changé. J'ai dû faire mes propres expériences avec le Seigneur. Amen. J'ai dû, moi aussi, vous savez, je ne veux pas donner la gloire à un homme, mais ce que mon père a fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour ceux qui sont liés avec certains péchés ou qui ont été liés avec certains péchés, vous savez comment c'est difficile de se débarrasser. Mon père était un alcoolique et un ivrogne. Ça veut dire que non seulement il buvait par besoin, mais en plus il buvait à outrance. Jamais, jusqu'à ce que j'ai l'âge de 8 ans, le jour où mon père s'est converti, jamais je n'ai vu mon père sobre. Le matin, il n'était pas encore dessoulé de la veille. Parfois, il ne rentrait même pas à la maison parce qu'il tombait avec sa mobilette dans les champs parce qu'on habitait la campagne. Il passait la nuit dans les champs, il rentrait vite pour se changer, se laver un petit peu et il repartait travailler parce qu'il n'a jamais loupé son travail. Il fumait 4 paquets de cigarettes par jour. Pour ceux qui fument 4 paquets de cigarettes par jour, il a arrêté sa cigarette, il n'arrêtait pas, il allumait la nouvelle avec la vieille. Du jour au lendemain, il a dit, Seigneur, c'est fini.
Il s'est passé quelque chose dans sa vie. Il a vu la gloire du Seigneur d'une manière ou d'une autre. Il a fait que sa vie a été changée, elle a été transformée. Mais ce que mon père a vu, ce que mon père a vécu, ça n'a rien changé dans ma vie. Moi, j'avais besoin de voir la gloire du Seigneur. Et ça s'est passé quand j'avais 22 ans. J'ai dû faire ma propre expérience. Un jour où j'ai dû dire, Seigneur, maintenant c'est entre toi et moi. Je veux aller plus loin avec toi. Il a fallu que le Seigneur me donne une révélation particulière, une vision particulière pour que ma vie change, pour qu'il y ait des fondements dans ma vie, des choses qui sont devenues inébranlables. Et c'est ça qui fait que j'ai continué à marcher avec le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Parce qu'il y a une différence entre la vie religieuse, il y a une différence entre le monde religieux. Et quand tu as vu la gloire du Seigneur, quand la gloire du Seigneur a changé ta vie, elle a révolutionné ta vie, et quand c'est le Seigneur qui te fait marcher et aller de l'avant, et ça, ça fait toute la différence. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a une différence. Quand tu vas parler du Seigneur à quelqu'un qui est autour de toi, tu sais, moi, je peux prier pour toi, parce que je connais Jésus, viens avec moi à l'église, tu vas voir, on va prier pour toi, le Seigneur va t'aider, le Seigneur va te bénir, puis le Seigneur le prend en prière, et puis on vient à l'église tous les dimanches, et puis la vie est là, et puis on fait des choses religieuses. D'ailleurs, en fait, on a juste changé d'église. Hein. On va dans une église qui prêche la parole d'une autre manière, qui chante d'une autre manière. Mais est-ce que Jésus a vraiment changé ta vie? Est-ce que tu as vu la gloire du Seigneur? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à l'intérieur qui fait que ta vie n'a plus jamais été la même? Qui fait que maintenant, peu importe les expériences des autres, peu importe ce que les gens vont te dire, il y a quelque chose dans ta vie, entre Dieu et toi, qui fait que ta vie a été révolutionnée. Les parents, comprenez-moi bien ce matin. Vous êtes adultes, vous pouvez comprendre ça. Les jeunes, écoutez-moi. Je ne pouvais pas vivre avec l'expérience de mon père. Je ne pouvais pas vivre avec l'expérience de ma mère. Vous savez ce qui s'est passé dans le cœur de ma mère? Mon père avait sa maîtresse à la maison. Vous, les femmes, est-ce que vous pouvez accepter ça? Est-ce que vous pouvez pardonner ça? Mais elle a vu d'une manière ou d'une autre, elle a vu la gloire du Seigneur. Et le Seigneur lui a donné la force. Le Seigneur a changé son cœur. Le Seigneur a changé sa vie. Et lui a donné la force de pouvoir oublier le passé. Mes expériences de ma mère n'ont rien changé pour moi. Déjà, ni les expériences de mon père, ni les expériences de ma mère. Il a fallu que moi, je fasse des expériences personnelles avec le Seigneur. Il a fallu qu'un jour, je dise, Seigneur, aujourd'hui, j'avais 22 ans, et dit, c'est comme si c'était hier. Aujourd'hui, Seigneur, c'est entre toi et moi. J'espère que vous avez bien compris les parents, je ne suis pas en train de critiquer le travail que vous faites avec vos enfants. Loin de là. Amen. Je veux juste dire que vous avez besoin chacun de votre propre expérience avec le Seigneur. Moïse a dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et c'est la pensée que je veux laisser dans votre cœur ce matin. Tu as besoin de voir la gloire du Seigneur. Tu as besoin d'une vision sur ton ministère et le travail que tu dois accomplir pour Dieu. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Me voici, envoie-moi. Et pour ça, tu as besoin de voir la gloire du Seigneur, une vision de la gloire de Dieu qui va changer ta vie pour toujours. Mais tu as aussi besoin, Église. Et si on passe à côté de ça, on passe à côté de quelque chose de très important. Tu as aussi besoin d'une vision, d'une révélation de l'enfer. Oh! Tu as aussi besoin d'une vision, d'une révélation de l'enfer. Tellement de chrétiens vivent comme si le ciel et l'enfer n'existaient pas. Comme si le Seigneur n'allait jamais revenir. Comme si les choses de la terre étaient notre seul but et notre seule destinée était éternelle et nous aussi éternels. Sur cette terre. J'ai fait quelques recherches pour aujourd'hui, par rapport à l'enfer. J'étais surpris, en allant surfer un peu sur le net, j'étais surpris de voir comment le diable a réussi à banaliser l'enfer, même au niveau des enfants. On joue au ciel à l'enfer.
C'est devenu un jeu et ce mot enfer ne veut plus rien dire pour tellement de gens et malheureusement pour tellement de chrétiens. Ce mot enfer ne nous effraie plus. Pas parce que nous avons peur de l'enfer, non, juste parce que nous avons peur d'aller un jour en enfer. Et parce que nous voulons sortir ceux qui vont en enfer, nous voulons les sortir de ça et les emmener avec nous au ciel. J'ai écouté, j'ai visionné une prédication où le soi-disant homme de Dieu prétend que ceux qui vont aller en enfer vont être brûlés. Voilà, tu vas brûler en enfer, et une fois que tu es brûlé, c'est fini. Il n'y a plus rien. L'apôtre Jean dit ceci dans le livre de l'Apocalypse. Voilà. Chapitre 20. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est la raison, Église, pour laquelle nous devons demander au Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux une vision de ta gloire. Mais Seigneur, je veux aussi une vision de l'enfer. Nous devons avoir une vision de ce qui va se passer en enfer, de cette souffrance, de ces tourments éternels. Et ça doit tourmenter notre cœur, ça doit tourmenter notre vie, et ça va booster notre vie spirituelle. Et croyez-moi, ça va nous booster pour aller témoigner et apporter la parole du Seigneur autour de nous, parce qu'on va vouloir arracher les gens de l'enfer. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie. Vous savez, souvent quand on baptise quelqu'un, on dit merci Seigneur, parce qu'un nom nouveau est écrit dans le livre de vie. Et bien je veux qu'il y ait encore et encore et encore des noms nouveaux qui soient écrits dans le livre de vie. Parce que si les noms ne sont pas écrits, ces gens vont aller en enfer. Et c'est pour cela qu'on a aussi besoin d'une révélation, d'une vision de l'enfer. Ça va être quelque chose d'horrible, l'Église. Et la Bible dit que c'est des tourments éternel, jour et nuit, au siècle des siècles. Peu importe ce que les gens ont pu vous raconter, c'est ce que la Bible dit. Seigneur, je veux voir ta gloire. Et Seigneur, je veux que tu me donnes une vision de l'enfer. Parce que moi, je ne veux certainement pas aller en enfer. Je ne veux certainement pas être tourmenté pour l'éternité. Et je ne veux pas non plus que les gens que j'aime, que les gens qui m'entourent, et tous les gens que je rencontre, je ne veux pas qu'ils aillent en enfer. C'est pour ça que j'ai besoin d'une révélation de l'enfer. Et c'est pour ça aussi que j'ai besoin de voir la gloire du Seigneur. Parce que la gloire du Seigneur va changer ma vie. Est-ce qu'on peut se lever ce matin, Église? Je ne sais pas qui va jouer le piano, qui va faire l'équipe de louanges. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Chacun de nous ce matin, Église, les jeunes, les moins jeunes, qui que nous soyons, nous avons besoin de voir la gloire du Seigneur. Personne ne peut voir la gloire du Seigneur et être le même qu'il était avant. Ce n'est pas possible. La gloire du Seigneur va changer ta vie. Elle va transformer ta vie. Elle va révolutionner ta vie. Tu ne seras plus jamais le même ou la même. Plus jamais. Plus jamais. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et Seigneur, je veux voir ta gloire. Parce que je veux voir qui tu es, Seigneur. Ta grandeur, ta magnificence. Et je veux aussi, Seigneur, que tu me donnes une révélation, une vision de l'enfer. Pour pouvoir faire mon travail convenablement, Seigneur. Pour pouvoir arracher toutes ces âmes qui vont aller là-bas. Et que des noms nouveaux soient écrits dans le livre de vie. Alléluia. Pour que des noms nouveaux soient écrits dans le livre de vie, ce n'est pas le travail du pasteur quand il baptise quelqu'un dans le baptistère. C'est votre travail à chacun. C'est ton travail d'aller voir ceux qui t'entourent et de dire je connais quelqu'un qui peut changer ta vie. Je connais quelqu'un qui peut t'aimer, qui t'aime et qui veut te sauver pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie, pour que tu ne passes pas l'éternité en enfer. Alléluia. Le Seigneur vous lance un défi ce matin. Vous pouvez rester comme vous êtes. Et votre vie ne va jamais changer. Vous allez continuer à faire ce que vous faites jusqu'à maintenant, sans vraiment savoir pourquoi vous le faites, ni comment vous le faites.
Vous, ce matin, pouvez vraiment faire cette prière avec tout votre cœur. Avec tout votre cœur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Je veux que ma vie change. Je veux que ma vie change. Seigneur, la semaine prochaine, tu vas me dire qui va travailler pour nous. Qui va être envoyé. Et je vais être prêt pour répondre à l'appel la semaine prochaine, Seigneur. Alors ce matin, je vais dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. L'hôtel est ouvert, Église. Alléluia. Si quelqu'un entend la voix du Seigneur ce matin et a ce désir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et en même temps, Seigneur, donne-moi une vision, une révélation de l'enfer. Pour que je puisse vraiment être actif pour ton royaume. Actif pour ton royaume. Les choses de la terre me semblent tellement banales, Seigneur. Je me désintéresse totalement des choses de la terre. Parce que c'est ton royaume qui est important. Parce que je veux voir ta gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va dire maintenant, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire.